Voici la suite et fin des dessins animés pour filles et des dessins animés pour garçons dans laquelle je parle de stéréotypes de genre dans les dessins animés. Dans cette partie-là en particulier, on voit pourquoi les stéréotypes perdurent et aussi comment on arrive un tout petit peu à les faire évoluer. Je vous conseille vraiment d'avoir vu la première partie avant, elle est indispensable pour les propos qui vont être tenus ici. Qu'est-ce qui peut jouer contre la fin des stéréotypes ? Déjà le fait que créateurs, diffuseurs, producteurs et spectateurs ne soient pas tous forcément au courant du problème. Les stéréotypes ont la peau dure et il est donc souvent plus facile, moins coûteux et plus rapide d'avoir recours à eux. C'est ce qui fait aussi qu'un personnage atypique, comme on en voit dans Avatar ou dans Steven Universe, peut être aussi bien que mal reçu par le public, qui peut y voir une avancée salutaire, aussi bien qu'une dangereuse dérive. Ajoutez à ça le fait qu'un dessin animé, en France du moins, se conçoit beaucoup, très souvent en fait, pour une vente à l'international. Bah vous savez bien qu'un stéréotype n'est pas forcément le même d'un pays à l'autre. Et si vous essayez de faire plaisir à tel pays, bah peut-être que vous vous retrouverez à pas faire plaisir du tout à un autre. En France, si vous pensez peut-être qu'il faudrait plus de personnages féminins et dans des rôles plus intéressants, c'est pas forcément l'avis de vos partenaires à l'étranger. Parfois, vos partenaires à l'étranger, ils en ont rien à foutre des personnages féminins. Vous connaissez sans doute Lou, la bande dessinée de Julien Neal. Elle a été adaptée en dessin animé, et la série ne s'est pas vendue sur tous les territoires à l'international, notamment à cause du personnage de la mère célibataire. Il y a des adultes que ça dérange de montrer aux enfants des familles monoparentales. Peut-être plus tellement en France, mais ailleurs, oui. Je sais qu'une partie d'entre vous militait pour représenter l'homosexualité ou la transidentité dans l'animation, et moi j'en suis à vous dire que les familles monoparentales, ce truc qu'on a quand même banalisé depuis pas mal de temps, ce n'est toujours pas une évidence. Et puis surtout, qu'est-ce qui joue contre la fin des stéréotypes ? Eh bien le fait que les stéréotypes de genre en dessin animé ont une utilité. Comme je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, l'animation, en particulier quand elle se destine aux enfants, est très liée au monde du jouet. C'est difficile de financer une série d'animation, et la ressource que peuvent apporter les produits dérivés peut être très intéressante. Or, le monde du jouet est encore plus que le monde du dessin animé, divisé en deux. Vous avez le rayon rose et vous avez le rayon bleu. Un des problèmes qui s'est posé à Cora, c'est d'être une série aventure-action, donc a priori perçue plutôt pour les garçons, mais avec un personnage principal qui est une femme. Forcément, le marketing de la série a été bien embêté. Comment markete-t-on une série qui serait pour les garçons mais dont l'héroïne serait une fille ? Même question pour Miraculous. La série est mixte, bourrée d'action, avec une héroïne fille et un comparse masculin. Dans ce cas, à qui va s'adresser le marketing ? À qui vendez-vous les produits dérivés ? Dans quel rayon du magasin les rangez-vous ? Rayon rose ou rayon bleu? Pour éviter ce genre de confusion et pour appliquer aussi une recette qui a fait ses preuves en termes de vente de jouets genrés, les dessins animés sont plus ou moins formatés. Et c'est comme ça qu'en termes de marketing, c'est toujours mieux si le personnage féminin a des beaux cheveux qu'elle porte une jupe et du rose. C'est toujours mieux si elle a des accessoires. Et en termes de marketing toujours, c'est toujours mieux si le garçon est un petit mec, toujours prêt pour l'action. Je dis pas que ça va toujours rentrer en compte dans la création d'un dessin animé, c'est pas ça, on a heureusement plus de marge de manœuvre que ça. Je dis que le département produits dérivés, dont les ressources peuvent être très intéressantes, préfère toujours ses stéréotypes pour faire son boulot. Une partie de l'animation dépend du marketing et des produits dérivés, et le monde du jouet est encore plus lent à évoluer que celui du dessin animé. Bref, avoir de la bonne volonté quand on crée un dessin animé, c'est bien, mais pas suffisant. C'est bien tout un système qui se doit d'évoluer. Qu'est-ce qui joue en faveur de la fin des stéréotypes ? Tout le monde n'est pas conscient du problème, mais beaucoup oui. Les créateurs sont davantage vigilants et voient bien toutes les pistes inexplorées d'histoires et de personnages qui s'ouvriraient si on s'éloignait des stéréotypes. Le public aussi est davantage vigilant et davantage demandeur d'alternatives. Et si vous ne faites pas vous-même attention à ces questions, de plus en plus il y a quelqu'un pour vous les rappeler. Sans forcément être soi-même intimement convaincu de l'importance de briser les stéréotypes, il y a toujours des raisons très pragmatiques d'y être poussé. Pour le diffuseur, il y a le besoin de s'adresser à une audience la plus large possible, donc de ne pas tourner le dos aux spectatrices, donc de ne pas tourner le dos aux personnages féminins. Et puis il y a des directives pour la parité. Globalement, les mentalités évoluent à la vitesse d'un escargot, mais elles évoluent. Prenons à nouveau Miraculous. La série est en partie financée par l'apport de Bandai, qui a les droits des produits dérivés. On appelle ça un master toy. Bandai est un très très gros licencié pour qui se retrouver avec deux héros, un garçon et une fille, n'est pas pratique. Encore une fois, demandez-vous dans quel rayon vous rangeriez les jouets Miraculous. Eh bah, vous voyez les action figures, les poupées articulées? Les action figures sont traditionnellement des jouets dérivés de séries destinées aux garçons. G.I. Joe, Tortue Ninja, Power Rangers, Dragon Ball et compagnie. Elles sont articulées, par opposition aux poupées mannequins type Barbie qui, elles, sont destinées aux petites filles. Encore une fois, on retrouve l'opposition habituelle, l'action pour les garçons, la beauté et la passivité pour les filles. Eh bien, Bandai a réalisé, en plus de poupées traditionnelles,
une action figure du personnage féminin de Ladybug, ce qui est encore une rareté dans le monde du jouet. Cette action figure devient un jouet mixte, alors à l'encontre du stéréotype qui veut que les filles veulent juste habiller leurs poupées, et que les garçons ne veulent surtout pas jouer avec une figurine de fille. Star Wars. N'oublions pas que Young Justice aurait été annulée au bout de 2 saisons avant d'être très récemment renouvelée, parce que, surtout regardée par des filles, elle n'aurait pas vendu assez de produits dérivés pour être rentable. Aujourd'hui en dessin animé, on est loin d'avoir déconstruit tous les stéréotypes du féminin et du masculin. Et les personnages sont encore souvent construits sur des clichés, souvent à cause d'un bête manque de temps et de financement. C'est toujours plus simple de se reposer sur des stéréotypes. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, on considère que ces changements sont évidents et devraient déjà avoir été faits depuis longtemps. Je sais qu'on voudrait aussi parler de l'image de personnes non-binaires, de personnes fluides, de personnes trans, de personnes qui sortent en fait de la dualité homme-femme, mais on n'en est pas là. Cela dit, quand on y pense, une partie de l'animation présente des personnages qui n'ont pas particulièrement de genre. Je pense cette fois à l'animation pour les plus petits. On y a beaucoup de personnages d'animaux et d'objets humanisés, par exemple, qui n'ont pas de raison d'être genrés, à moins qu'on y projette nous-mêmes nos propres stéréotypes. Ce qu'on fait à peu près tout le temps. D'autant plus qu'en français, on n'a pas de pronom neutre. Donc si on veut désigner un personnage qui a priori n'est pas genré, on va le faire au masculin. De toute manière, même pour les plus petits, on classe forcément en homme ou en femme. Si le personnage porte du bleu, c'est un garçon, s'il porte du rose, a un nœud sur la tête ou des cils à ses yeux, c'est une fille. Créer un personnage à partir d'un autre personnage dont on changerait juste la couleur ou auquel on rajouterait des cils, en animation ça a un nom. On n'appelle pas ça un personnage, mais un dérivé. Et je pense pas que le féminin soit un dérivé du masculin. Et parfois, quand même, on a des surprises. Vous vous souvenez du personnage de Candy dans Les Indiens de l'espace ? J'ai grandi en étant persuadée qu'il s'agissait d'un personnage féminin, alors que tout le monde, clairement, l'appelle il et le et lui. Je me suis dit alors, plus tard, que c'était une image atypique du masculin. Qu'on représente avec tous les clichés sexistes du féminin. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Candy est bien, en réalité, un personnage féminin transgenre. La confirmation de la chose, vous la trouvez dans le jeu vidéo Les Zinzins de l'espace, dans lequel Candy dit clairement qu'elle veut changer de sexe. Waouh, on rentre chez nous, je vais enfin prendre rendez-vous avec le professeur Helmut. Ah ouais, le professeur Helmut. Dire qu'il y a encore des gogos comme toi pour aller voir cet astrologue du dimanche. Ce sorcier de bas étage. Le professeur Helmut est le plus grand spécialiste du changement de sexe de tout l'univers. En animation française récente, vous avez le personnage de Kaelou. Kaelou est une grenouille, mot féminin, qui se transforme en crapaud, mot masculin, et la série joue constamment de la confusion autour du genre du personnage. Fille, garçon, ni l'un ni l'autre, ça peut varier selon l'épisode et le contexte, ou être laissé indéterminé. Les autres personnages se travestissent volontiers et jouent de leur identité. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et toi, tu te mets où? Oh, monsieur ça! Alors, ça a l'air d'être fait pour la blague pas fine et pour rien de plus. Mais ça existe. A noter que dans la version anglaise de la série, Kaelou est uniquement une fille. Comme quoi, parfois, dans l'animation française, quand personne ne fait attention et que ça concerne un extraterrestre ou une grenouille, on a des idées progressistes. Mais bon, voilà, en gros, en animation et pour des enfants, on reste exclusivement sur des personnages binaires et on travaille surtout les personnages féminins. C'est pas que l'image de personnes trans et ou non-binaires soit moins importante que l'image des personnages féminins, c'est que le public, dans sa masse et hors Twitter, n'a pas conscience que ça existe. Et le dessin animé qui ne prend pas de risques n'éduque pas le public, il le suit, sauf cas très particulier et unique de Steven Universe. On n'arrive déjà pas tellement à faire évoluer les personnages masculins alors qu'ils sont si nombreux et divers dans leur rôle. Mais les libérer de l'injonction de virilité qui leur est faite, c'est encore compliqué. Car on pense qu'ils sont alors féminisés et donc dégradés. C'est bien toujours la perception de ce que serait le féminin qui pose problème, aux personnages féminins comme aux personnages masculins. Et c'est encore et toujours sur cette dualité qu'on se retrouve à travailler. On en est à veiller à ce que les personnages féminins soient bien présents et bien représentés. On en est à veiller à ce qu'elles ne soient pas cruches, à ce qu'elles ne soient pas complexées par leur physique, à ce qu'elles ne soient pas des boulets et des objets passifs qui servent d'enjeu aux personnages masculins. On en est à vouloir à ce qu'elles ne soient pas fifilles, mais sans pour autant discréditer le girly. Ça a beau sembler être une évidence, dans la création ça ne l'est pas autant qu'on voudrait. Les personnages féminins sont encore très souvent tenus à l'écart de l'action, parfois avec de bonnes intentions. Ça nous arrive de tester des épisodes ou des séries sur des petits groupes de spectateurs et sur des enfants. Et là, ce qu'on constate, c'est que là où le masculin a le devoir de tout supporter, le public est au contraire très protecteur des personnages féminins. Résultat, les personnages féminins ne peuvent pas être des héroïnes de cartoons slapstick, par exemple. Dans un genre qui repose entièrement sur la violence et le rapport agresseur-agressé, on ne veut pas qu'elles s'en prennent plein la tronche. Et donc, contrairement à ce que j'ai longtemps pensé, Jerry, Titi, Bip Bip et Oggy ne sont pas des personnages féminins.
On veille aussi tellement à ce que les personnages féminins soient bien représentés qu'on tombe aussi parfois dans d'autres travers. Un personnage, quel qu'il soit, gagne du relief et de l'intérêt par ses défauts. Et souvent les personnages féminins sont un peu trop lisses et un peu trop parfaits. Soit qu'on les travaille moins que leurs comparses garçons, soit qu'on veuille en fait les protéger. Il ne faudrait surtout pas qu'on puisse dire qu'elles sont agaçantes, ou ridicules, ou hystériques. On leur donne donc souvent des rôles qui leur évitent d'être dégradées, mais qui les empêchent aussi d'être actives, drôles, méchantes, et au même niveau que les personnages masculins. Elles sont donc souvent moins intéressantes. C'est dommage, surtout qu'on est en animation, un genre qui permet les situations, les comportements et les personnages extrêmes. Personnellement, je trouve que c'est être sous cloche qui est dégradant pour les personnages féminins. Moi, encore plus que les Korra combatives, je veux voir des personnages féminins débiles. Mabel assume à fond son côté fonceur et bizarre, et c'est pour ça en partie que c'est le personnage préféré des fans de Gravity Falls. Et dans un genre adulte, prenez Mallory de Archer, Cheryl et Pam, qui sont hilarantes parce qu'on n'a pas peur de montrer leur atrocité. Prenez Panty et Stalking, des personnages sans limite, volontiers obscènes. Je voudrais que les personnages féminins puissent être aussi violents et extrêmes que l'étaient Tom et Jerry. C'est tellement dommage de vouloir préserver les personnages féminins. Un personnage féminin peut tout être, autant qu'un personnage masculin. La seule chose qu'il ne peut pas être, c'est passif. Parce qu'il est, avant d'être féminin, un personnage au sein d'une action dramatique. Et être passif dans une histoire, ce n'est pas possible. Surtout que plus les personnages féminins seront divers dans leur rôle, dans leur apparence et dans leur caractérisation, plus les personnages masculins en bénéficieront en retour. Car il ne sera plus dégradant pour eux d'être associés à quelque chose dit de féminin. Et car il ne sera plus nécessaire pour eux de tenir les rôles classiques de la virilité. Et peut-être qu'à partir de là, il nous sera enfin possible de traiter nos personnages moins comme des représentants de deux camps distincts, que comme des personnages intéressants, tout simplement. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai terminé, j'espère que ça vous a intéressé, et je vous remercie d'avoir été avec moi pour ces deux vidéos pas faciles sur le thème du genre en animation. Voilà, je vous fais un gros cœur comme Barbie pour être dans mes propres stéréotypes de blonde. Prochaine vidéo, on parlera de 2D et de 3D, pourquoi ça n'a pas vraiment de sens de dire que l'une serait supérieure à l'autre. Mais avant ça, prochaine interview qui aura lieu sur la chaîne, je recevrai Lucie. Lucie, elle est actuellement première assistante réale sur la série Furry Wheels pour Gaumont. Donc je trouvais ça intéressant, après avoir vu un réal, de voir le premier assistant réal. Elle a aussi été seconde assistant réal et assistante de prod chez Xylam. Et elle vous parlera justement de ces métiers qui sont pas forcément connus, alors qu'ils sont hyper, hyper importants, notamment parce que Lucie, ben, c'est la personne qui va faire le pont entre le réal et les équipes pour que la vision du réal puisse être réellement fabriquée techniquement. Donc c'est super intéressant, c'est à la date qui s'affiche là. Donc posez-moi vos questions pour Lucie sur la chaîne, sur Twitter, sur Facebook, et je transmettrai comme d'habitude. Et sinon je vous dis à la prochaine. Ciao !